Salut les mordus de déco! Et si on fabriquait une jolie petite lampe à partir de tuyaux de cuivre? C'est carrément dingue comme idée, me direz-vous, mais c'est tellement déco et vous allez voir, c'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra des gants et de la colle forte pour le métal en flacon, un coupe-tube ou une scie à métaux, une règle, un stylo, un tournevis, des coudes en cuivre femelle-femelle à 90 degrés, un joli cordon électrique avec un interrupteur, une douille et une ampoule, et un tuyau de cuivre diamètre 16 mm d'une longueur totale de 108 cm. Pour découper les tuyaux, vous pouvez utiliser une scie à métaux. Faites juste attention à vos doigts, mais moi je suis devenue fan de cet instrument. C'est un coupe-tube, on le trouve dans le même rayon que les tubes en cuivre. On positionne le tube, on tourne, c'est très simple d'utilisation et peu coûteux. Ça marche à tous les coups. Il faudra prévoir 6 coudes femelle-femelle à 90 degrés. On prépare ensuite nos tuyaux aux bonnes dimensions. Un tuyau de 45 cm, 3 de 16, 1 de 8 et 1 de 7 cm. Voilà comment on va assembler la base de notre lampe. Les 3 tubes de 16 cm forment un carré avec les coudes. On finira avec le tube qui mesure 8 cm. On fait ensuite glisser le fil électrique dans les tuyaux comme des perles qu'on enfile. On prévoit une longueur de câble d'environ 60 cm pour les tuyaux suivants. Et on peut ensuite encoller chaque tube de cuivre sur ses extrémités et les fixer aux coudes. Une fois que notre base est collée, on passe le fil dans le tube de 45 cm et on le fixe dans l'axe pour avoir une lampe bien droite. Ensuite, on colle un coude, le bout de 7 cm et le dernier coude pour avoir une jolie finition. On adapte la longueur du fil pour y installer la douille, on la colle ou alors le fil peut très bien dépasser et elle peut pendre légèrement. Voilà une lampe très originale pour votre bureau, votre table de chevet. J'adore son effet industriel, surtout avec ses ampoules à LED très déco que l'on trouve de plus en plus nombreuses dans les magasins de bricolage. Vous êtes formidables et c'est à vous de jouer maintenant.